d'ignorance. Parfois se jouent des apparences pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois. Chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Il y a un petit truc qui m'avait choqué chez... Bon, je vais pas mentionner l'épouse du président de la République, parce que là, je vais devenir pas violent, mais Dieudonné, c'est un petit sketch extrêmement horrible. Là, je vais dire la femme de Charles de Gaulle, écoutez, un front à l'Élysée, si vous voulez, et encore symbolique. La femme de Madame Danielle Mitterrand, moi, je l'ai vue une fois en 80, et ça, c'est... parce que elle n'a aucun statut, elle a... Sa coupe de cheveux, elle a coûté je ne sais plus combien de dizaines de milliers de francs, là, il y a quelques mois. Donc, si vous voulez, ce genre de personnage n'existe pas, hein, pour moi. Déjà, elle n'a rien à foutre, là. Voilà. Moi, j'aime bien la femme de Bustetti, de Pompidou. Voire celle de Giscard, quoi, près du feu de cheminée. Vous voyez ? Et quant aux tirailleurs sénégalais, je vais vous mentionner un fait historique, c'est que ces gens-là étaient payés. Hein, ils n'étaient pas enrôlés. Votre chanson du rappeur là de banlieue là, je sais pas où, je sais pas qui c'est, mais il faut qu'il se renseigne, parce que ceux qui sont morts pendant la guerre de 14, mon grand-père il a fait la bataille de la Marne, ils ont scié le genou en 1915, ils venaient de Normandie, du département du Calvados, si vous voulez. Je vous mentionne quelques chiffres, alors les Bretons 250 000 morts, les Corses 250 000, les Auvergnats 250 000, voilà. Il y a 1 million officiellement de 200 000 morts, mais c'est plutôt 1 600 000. Voilà. Quant aux tirailleurs sénégalais, bon, moi j'aime bien les Sénégalais, mais ils étaient volontaires. Ici, vous étiez fusillés. Si vous ne vous rendiez pas, vous étiez fusillés. Et après, tout ça en ouverture, c'était extrêmement, mais c'est du niveau du Micron, du Macron. Alors, ce qu'a fait M. Toussaint, moi, j'ai pas fait un copier-coller sur Internet. Moi, je sais qui c'est, Toussaint Louverture. La première chose qu'il a faite quand les révolutionnaires français ont supprimé l'esclavage, il a acheté 20 esclaves, il s'est barré à Haïti. C'est un anachronisme. Il est parti à Haïti. Donc, moi, je renseigne Toussaint la fermeture. Toussaint l'ordure. Voilà. Hommage à... Voilà. Alors, M. Kerry James, au lieu d'attaquer la France, il ferait mieux d'attaquer... Voilà, les gens qui commémorent ce genre de personnage. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'écoute après pour la libération de la femme en Iran. Bon, c'est bizarre. Alors, soit c'est votre intervenante, c'est une agent de la CIA de Clinton, Joe Biden. Moi, je sais pas, elle défend que les femmes iraniennes. Alors, c'est bizarre, parce qu'il y en a beaucoup comme ça ici. Moi, je m'occupe pas des femmes iraniennes, c'est vrai. Mais je constate l'emprise de la pourriture et anti-américaine en plus. Voilà, c'est tout. Donc moi je défends tous les pays attaqués par cette racaille. Dont vos trucs de banlieue font partie. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Bonsoir. Alors les femmes iraniennes déjà, je vous donne quelques exemples seulement. Depuis septembre 2022, ils ont commencé une révolution très historique, très courageux, en brûlant leur voile. Le voile s'était brûlé en Iran, plusieurs dizaines de filles, très belles, très jeunes, vous pouvez regarder sur le site les photos à droite à gauche, c'était assassiné par le régime iranien. Mais chaque jour, il y a des courages, des braves gens, la jeunesse iranienne, pas les vieux. Les vieux, c'est des imbéciles. Ils ont vendu leurs armes, ça fait déjà 1400 ans au désert. Mais la jeunesse, il est dans le combat. Seulement, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui même, tout à l'heure. Avant de venir dans le studio, j'ai reçu une petite vidéo d'une minute d'Iran, de Mashhad. Et il y avait les policiers qui ont arrêté un garçon, puisque les policiers, ils disaient
pourquoi une fille ne porte pas bien son hijab, son voile, tout ça. Le garçon, il vient de soutenir la fille et les policiers l'ont arrêté, ils l'ont mis dans la voiture, mais avant de le ramener au commissariat, tout est filmé, moi je vois le film quand je parle avec vous. Il y a une autre fille qui commence à crier aux gens, oh, qu'est-ce que vous faites? Regardez, il a arrêté cette garçon, il est innocent, il est... venez l'aider, aidez-le, aidez-le. Après 3 minutes seulement, plusieurs centaines de personnes à Machhad, en Iran, autour de la voiture de police, suite à la demande d'une jeune fille, et ils ont libéré cette garçon. C'est la jeunesse iranienne aujourd'hui, c'est les femmes iraniennes aujourd'hui, c'est la fille. Et les filles iraniennes. Les filles iraniennes aujourd'hui sont dans le combat pour leur liberté, au moins d'habillement, d'habillement. Puisque vous savez, une chose que je vais vous dire à tout le monde. Je suis comme un spécialiste, je vais vous dire maintenant, ici, j'avais dit 10 000 fois, mais je vais vous dire encore. Le voile qu'on met sur la tête, le voile. Presque toutes les religions le mettent, hein, ce n'est pas seulement pour l'islam, mais ce qu'on force les gens de le mettre, surtout en Iran et ailleurs. Vous savez, toutes les religions d'Abraham, abrahamiques, ça vient du désert. Tous. Parce que l'origine, c'est péninsule d'Arabie Saoudite. Pour toutes les trois religions. Alors, comme vous êtes en Arabie Saoudite d'aujourd'hui, à l'époque c'était péninsule d'Arabie, quand vous voulez traverser le pays, vous traversez le désert. Quand vous traversez le désert, vous devez vous couvrir votre tête au moins, et l'autre endroit aussi. C'est pour ça que les ayatollahs, ils portent une abaya, tous les Arabes, ils sortent quelque chose qu'ils mettent sur leur, une chanel, on peut dire, et quelque chose ici sur leur tête, femmes et hommes. C'est pour se protéger des sables, des déserts, de Sahara. Voilà. Et même récemment, il y a un film, il est sorti au cinéma, qui est l'oncle du prophète de l'islam. Il vient de parler avec Abou Sofiane à Médine. À Mecque, Abou Sofiane dit, pourquoi tu as couvert ton visage? Moi, je te connais, tu es Hamza. Il dit, ah oui, j'ai couvert mon visage puisque je viens de désert. C'est une protection de désert. Dans le film. Alors, imaginez-vous que le voile, actuellement, on dit, c'est, oh là là, c'est une batati, c'est la liberté, ah, écoutez, il faut respecter. Ouais, batati, batati. Moi, je ne veux pas parler d'ici, les femmes qui le portent, tout ça, mais en Iran, les filles, ils ont commencé à brûler le voile, et personne n'en parle pas ici, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas, que plusieurs dizaines de belles filles iraniennes âgées de 16 jusqu'à 27 ans s'étaient assassinées. Regardez seulement les femmes iraniennes. Tapez la révolution des femmes iraniennes sur l'Internet, regardez les photos des gens qui étaient assassinés, vous allez pleurer. Et voilà, c'est les filles iraniennes et qui actuellement, ils prennent la reine. Et de la révolution, de changement, et vous allez être sûr et certain que très, 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 très récemment, dans le mois qui vient, il y aura un grand changement en Iran. C'est-à-dire, avant tout, ils vont être obligés d'annuler, de ne plus poursuivre les femmes qui enlèvent leur voile, et beaucoup d'autres choses qui vont venir en Iran, vous allez voir. Vous allez voir. Notez ça, nous sommes. Un jour, 24 heures avant 1er mai 2023, je vous ai dit. Voilà. En plus, autre chose aussi, je vais vous dire, puisque j'étais en contact direct. Vous savez, moi, mes émissions en personne, c'est diffusé en Iran, dans tout le monde, partout dans le monde, par satellite, en personne. Et dans tous les pays persophones, soit Tadjikistan, Afghanistan, Ouzbékistan, l'Amérique, le Japon, et tout ça. Et ça fait des années, ça fait 20, 25 ans. Je suis en contact avec ces gens-là, même Mahsa qui était à Saint-Cylie, j'étais en contact avec elle. Après, il y a Nika, Hadissa, Sarina, les autres belles filles qui étaient assassinées. Tous ces gens-là, ils voulaient donner leur vie pour que les autres, ils auront la liberté, au moins la liberté, pour mettre ou ne pas mettre quelque chose sur leur tête. Ce que Yasser Arafat aussi, il mettait, ce qu'aujourd'hui tous les Arabes, ils le mettent, c'est une protection de désert de l'époque pour l'homme et pour femme. Il n'y a pas aucun obligation religieuse.
Jamais on ne parle pas de voile ni de tchador dans le Coran. Ça, c'est un uniforme, puisque actuellement, les trois pays musulmans sont unis, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ils sont unis. Et ils sont en train de casser le dollar d'un côté, l'Europe de l'autre côté, et l'intégrisme qui va monter. Et le hijab, le voile, pour eux, c'est leur logo, c'est leur sigle, c'est leur business, c'est leur soldat. Mais les gens ne savent pas, hein, je vous dis une chose. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui portent le voile ici, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. N'oubliez pas, si on critique une idéologie, comme Daesh, comme Taliban, qui inventeur de mot islam politique, c'est David Abbassi. Dès le départ, j'avais dit islam politique. Je ne parle pas de l'islam qui est dans votre cœur, l'islam qui est dans votre foyer, l'islam qui est dans la mosquée. Mais dès qu'il sort, c'est là qui est gênant. C'est là que je critique. Que j'ai critiqué. Actuellement, aussi, les femmes qui portent le voile, non, moi, oh, je m'en fous. Mais oh, ils ne savent pas. Les femmes, je vous assure qu'ils ne savent pas. Vous demandez à toutes les femmes. Qu'est-ce que tu sais que c'est l'origine de ça? C'est la protection du désert. Et ici, nous ne sommes pas dans le désert. Est-ce que tu sais que dans le Coran, voile ou tchador n'existe pas le mot? Le mot même pas n'existe pas. C'est la jalousie des hommes après qu'ils voulaient cacher leur femme et la beauté de leur femme qu'ils ont inventé ça. Et de l'autre côté, la beauté des femmes, vous savez que c'est dans son visage. Ils ne savent pas que quand une femme, il est couvert la tête, il couvre la tête avec le voile, la beauté de son visage, il sort encore. Il ça passe. Hein. Alors, vous avez la parole. Si vous êtes pour le compte, vous pouvez venir donner vos explications. Hein. Si vous portez le voile, vous pouvez venir me dire pourquoi vous le portez, pas de problème, avec grand plaisir. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Mais certaines choses que moi je vous dis, c'est scientifique, ce n'est pas l'opinion. Mais quand même, je suis prêt à vous écouter avec grand plaisir. Et j'ai beaucoup de respect, surtout pour les musulmans, pour les femmes qui portent ça, parce que beaucoup de choses, en fait, dans notre vie, sans savoir l'origine. On pense que le Dieu, c'est un roi qui est assis au ciel, il est en train de nous regarder. On même demandait de ces gens-là, cosmos, comme notre planète Terre. Et les autres qui autour de notre cosmos. Combien il y en a de cosmos dans le monde? Les gens ne le savent pas. Plusieurs milliards de cosmos existent. Plusieurs milliards. Alors, le Dieu, moi je connais le Dieu, hein, je ne suis pas contre Dieu. Je ne reconnais aucun messager de Dieu. Voilà, soyez sûr et certain. Je connais le Dieu, je l'aime beaucoup, il m'aide, tout ça. Mais le Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez. Le Dieu, ce n'est pas ce qu'on a mis dans votre tête. L'espiritualité n'est pas prisonnière d'une religion. Non, spiritualité, c'est indépendant, individuel, entre toi et le créateur du monde, de plusieurs milliards de cosmos. Et cette plusieurs milliards de cosmos qui a été jeté comme ça. Lui, il n'est pas là pour regarder tes choix, pas de chevaux. Le Dieu, c'est autre chose. C'est tellement, tellement, tellement plus grand de ce que nous l'imaginons dans notre tête et nous l'insultons. C'est de l'insulte. Quand une fille, elle hérite plusieurs millions de dollars de lingots d'or de son père. Après, il vient dire que son père, s'il a fait, il a déjà un an, quelque chose, une assemblée, une déclaration, je ne sais pas quoi, ça c'était falsifié. Ça, c'est une trahison. Mais si quelqu'un ne sait pas, il fait quelque chose. C'est ignorance. Alors, ignorance, ça peut être effacé avec savoir, avec conscience, avec les paroles. Mais la trahison, la personne qui trahit, il trahit pour l'argent, son père. Il trahit pour. Il ment pour. Ah, il ne sait pas que. Il y a la justice, il y a la justice. Et ici et maintenant, il y a la justice. Que tu sois, il y a tout là ou pas, il y a tout là. Voilà, mes amis, vous avez la parole.